Je vais essayer aujourd'hui de faire un jonc sans figure le plus vite possible. Il me semble que normalement ça me prend un peu plus d'une heure, mais là, je me donne au complet, là, puis je suis la machine que je suis. Comment? Merci, Michael. Ça fait plaisir. J'espère que ça sera pas trop long. Déjà de la pression? Bon, ben ça, là, je calcule pas une grandeur précise. Hein. Tu vas-tu skipper des étapes? Non. Ou... aucune? Donc, je vais dessiner la roulette de départ. La largeur ici va devenir la largeur de la bague. Jean. Ah oui, ça fait un peu de bruit, ça, je t'ai pas dit, mais... Ouais, j'aurais des petites bottes un peu redondantes. Pas de l'accélérer. L'année de départ fait 2,3 mm d'épaisseur. Si vous essayez ça à la maison, c'est clair que vous allez casser votre chine. Tout est dans le mouvement, régulier. Puis quand je suis là, je sens vraiment la scie, je ressens ce qu'elle fait. Là. D'habitude, je vais pas aussi vite que ça, j'aurais le bras mort à la journée. Là, tout. Déjà, je commence à avoir une petite douleur. C'était une vraie machine ou pas? Je sais pas. On verra. Est-ce que j'ai un cœur? Oh, là! Et là, en faisant un don comme ça, c'est pas le temps de philosopher. Là. Ok, ça prend une autre fois, un autre défi. Exactement, oui. On va essayer de faire le don le plus rapidement possible. En philosopher! De manière bien construite. Thank you.
Je me sens comme Neo dans la matrice. Comment tu ça? Dois accélérer. Il n'y a pas de doigt qui... Oh! Ça, ça retarde, ça. Quelques secondes. C'est comme changer ses roues, là, à F1. Là. Un arrêt au puits. Un arrêt au puits, là, c'est... Voilà. C'est faux pas, là, le moins possible. J'imagine qu'en allant plus vite, ça... Ben, ça augmente les risques de pouvoir faire des conneries. Puis faire un faux mouvement. C'est quand je fais un faux mouvement, en fait, que la scie casse. Quand je suis pas régulier dans le trou où est-ce qu'il y a, okay. Le moindrement que je fais ça, oh, ça casse. OK. OK. Ça, je flop, tu recules okay. Un petit peu dans 2 secondes, parce qu'on va emboutir ça. Bon, d'habitude, je suis passé ici, mais j'ai tout ramené pour que ce soit plus possible. J'ai préparé aussi de l'alcool à côté pour refroidir plus vite sans que ça se soit. Putain, faisant en sorte que. Comme je te disais, le recuire dans l'alcool, ça le rend aussi plus malléable. Parce qu'il n'y a pas d'azote, pas d'oxygène dans l'alcool. Et puis que ces deux atomes-là sont les durcisseurs, en fait. OK. Les gars qui construisent des ponts, ils font l'inverse. Ils font refroidir leurs pièces dans des places remplies d'azote puis d'oxygène. Puis c'est vraiment les durcisseurs. Pour la durcir. Ouais. Parce que là, il faut qu'il soit le plus malléable. Soit le plus malléable possible. Non, ouais. Contrairement à un pont. C'est long, ça? Ouais, je sais. Je fais de la vulgarisation. Hey, tu suis? Je fais de la vulgarisation. C'est
en bas, t'es les portes. C'est moi ça. C'est pas que c'est en bas. Mais t'es peut-être pas là, la carte est bleue. Le mec, il assure toujours. Et on parle vers lui. On parle vers lui. Le mec, il sourit. Déjà à grandeur, on va cuire une dernière fois. Là, c'est parce que s'il est mis à grandeur une prochaine fois, donc ça va être facile de mettre à grandeur s'il est recuit déjà. Mm-hmm. Puis de toute façon, vu que j'ai pas enlevé la tache de feu, ça ne change rien de le recuire. Et vu qu'il a été bien martelé, les molécules sont comme déjà mal alignées, tout ça, donc il y a des chances que si j'avais à l'agrandir beaucoup la prochaine fois, qu'il casse. Okay. Et là, j'ai pas besoin de le recuire la prochaine fois. J'aime bien, bien tout. C'est pas d'aliments, c'est des copeaux qu'elle sort. C'est tellement chaud, là. Normalement, est-ce que t'attends que ça se refroidisse un peu plus? Normalement, je l'aime pas comme un fou comme ça, donc ça devient pas si chaud que ça. Puis, d'habitude, je la lâche, puis je la laisse là. Mais là, je fais de fort, là. Gauche. Je suis capable. Le show must go on. C'est ça. Peu importe la douleur. J'ai pas mal. C'est juste qu'il y a des références à mon cul. Quotidienne. Ça fait du bien, ça, le bout d'une lime dans le doigt, là. En fait, là, c'est ça. Donc, il faut que j'enlève la tache de feu à la surface au complet, partout. Qu'est-ce que la tache de feu? La tache de feu, c'est la petite particule où est-ce qu'il y a une oxydation. En fait, tout le cuivre qui est là, il y a une oxydation avec l'oxygène. Okay. On appelle ça tache de feu. Puis, je vais y aller directement.